Allô, allô, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le petit tirage et la suite de nos aventures. On va mettre notre spray aurique pour. Vous les trouvez sur ma boutique, certains me disent, je ne sais pas. Vous avez le lien en dessous pour les commander. Spray aurique sur mesure. Celui-là, c'est plume de protection. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a pas mal de petites personnes un petit peu négatives, hein, qui nous laissent des petits commentaires sympas. Voilà, je vous rappelle que je suis sur ma chaîne, je dis ce que je veux comme je veux. Si ça ne vous va pas pour certains, voyez-vous? Voilà. Et puis, on reste bienveillant avec les collègues, qui écrivent des commentaires, on se respecte, etc. Je pense que c'est la moindre des choses, à bon entendeur. Alors, eh ben, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Du coup, j'hésite un peu. Je pense qu'on va déjà prendre les voies sacrées du karma. Je remercie tous ceux qui ont fait les précommandes de cet oracle, puisque pour ceux qui y arrivent, c'est mon oracle à moi. À moi, rien qu'à moi. Voilà, je l'ai fait avec, en collaboration avec Cameron Gray, pour ceux qui le connaissent. Un illustrateur australien. Alors, j'ai quelqu'un qui est chafouin. Pourquoi? Parce qu'il est en train de répondre aux lois de l'univers. It's time to time, timing divin. En tout cas, pour ce palier, et voilà, et je dis ça. Est-ce que par une cacahuète, pardon, elles sont tombées tellement loin. Ah, j'ai dû prononcer le mot chafouin. Bon, alors on dit qu'entre vous il y a des dettes karmiques, ou en tout cas il y a une dette karmique qui a été payée, qui est en train d'être payée et d'être lissée. Bon, donc c'est bien, c'est plutôt pas mal, ça veut dire qu'il y a des déblocages au niveau des vies antérieures et de tous les nœuds que. Alors ne me dites pas que ça n'existe pas, parce que si vous êtes en parcours sacré, fatalement il y a du karma. Hein, voilà. Donc voilà. Et donc du coup, ben, on répond. Au mieux, aux lois de l'univers, hein, on est en train de se mettre en accord pour pouvoir aujourd'hui faire glisser tout ça, lisser les nœuds dans l'ici et maintenant, ce qui nous relie bah, du coup à notre puits de sagesse pour pouvoir sortir des illusions et pouvoir écouter la voie sacrée, c'est-à-dire la voie vers soi et la voie vers son autre. Donc ça remet un petit peu l'église au milieu du village et on lui demande de remettre l'importance et l'inspiration qui sont aussi notre loi du karma, c'est-à-dire de se remettre au milieu de la scène, sur le devant de la scène, au milieu de sa vie et au centre de sa vie et d'avancer en tant que tel. Donc ça va aussi avec les énergies de la lune, hein, voilà, hein, se remettre en accord avec soi et arrêter de pipoter. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'on prend celui-là? Je suis bien tentée quand même de reprendre l'oracle du Bélier, mais enfin l'horoscope du Bélier, ça s'appelle. Ah, parce que celui-là, je ne sais pas s'il va parler correctement. On en a deux qui sont sortis. J'ai la préoccupation. Hein. Votre autre, il est préoccupé, il est malade parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est en fin de cycle. Qui est en fin de cycle et face à cette fin, on n'y peut rien, qui était programmé, hein, qu'on lui a mise plusieurs fois sous le nez, mais on n'a rien voulu entendre, on a fermé les esgourdes et puis ben, on se dit, pas pour moi, pour le voisin. Non, c'était bien pour toi, mon lapin, et cette énergie masculine, rappelez-vous, on parle d'énergie masculine, homme-homme, femme-femme, homme-femme, on parle d'amour, d'accord? Donc vous le ramenez à votre histoire, toujours avec beaucoup de précocité et beaucoup précautionneusement, j'ai envie de dire, plutôt que de la précocité, précautionneusement et avec une certaine hauteur, d'accord? Parce que j'ai reçu là aussi des commentaires de certains, pas du tout, j'en ai même une qui m'a dit, tu dis de la merde, tu sais pas ce que tu dis parce que c'est pas de moi que tu parles, tu me connais pas, tu tatati tatata, bon j'en ai deux ou trois là en ce moment qui se déchaînent. Dans les commentaires que je vire, hein, fatalement, la prochaine fois je vous vire de la chaîne, je vous le dis. Ben, fatalement, on n'est pas en train de prendre les. Pardon. Hop, je pousse ça. On n'est pas en train de prendre un thé ensemble, on est ensemble tous dans le collectif. Donc, du coup, je capte des énergies
collective. Si vous voulez quelque chose de très précis et qui vraiment vous ressemble, vous prenez, dites par moi, voilà, hein. Après il y a d'autres collègues, c'est avec plaisir, vous êtes les bienvenus, mais si vous voulez que ce soit vraiment pour vous, vous prenez rendez-vous en dessous de la vidéo. Cette vidéo, elle est entre vous et moi, mais vous tous et moi-même, voyez-vous, nous sommes nombreux. Donc forcément, il y a des choses qui vont vous correspondre et d'autres un peu moins. Voilà, nous ne sommes pas en vidéo privée. Et ce n'est pas la même chose, même s'il y a beaucoup de choses qui vous parlent. Bon, alors j'ai quelqu'un qui se fait des cheveux blancs. On a assez fait, comment dirais-je, exister le négatif. Mais c'est vrai que bon, il faut se calmer un petit peu, mais pour les temps. Hein. Hop là, il faut mettre un peu d'eau dans son vin. Pour certains, ça ne vous fera pas de mal. C'est dommage de choper un ulcère. Bon, j'ai quand même le message. Le message, il est au cœur de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pris quand même en maturité, en sagesse. Ça a mis un peu de temps. Les déclics ont été très récents. Mais du coup, ça le préoccupe beaucoup parce que comment revenir vers vous, hein, sachant que là, actuellement, il y a beaucoup de tristesse parce qu'on est dans une fin de cycle. Donc, comme j'ai dit, on n'y peut rien. Il y a de la tristesse. On a essayé de se voiler la face, de sauver les apparences, mais c'était inévitable, c'était écrit, etc. Par rapport à vous, ben oui, fatalement, hein, vous êtes réellement dans toutes ces pensées, bien sûr. C'est quelqu'un qui a voulu tout contrôler et qui, finalement, a fini par, quelque part, se tromper, entre guillemets, de foyer et... qui pensait avoir choisi la meilleure planque, la meilleure place pour avoir des gains exceptionnels, sauf que c'est quelqu'un qui se retrouve seul et pauvre. Pauvre sans vous, pourquoi? Parce que au lieu de choisir le cadeau que lui a offert l'univers, il a choisi une prison. Voilà, alors c'est quelqu'un qui aujourd'hui essaie de se projeter malgré la tristesse et le désespoir donc peut-être dans lequel il est plongé. Hein. C'est quelqu'un qui a plus ou moins, vous savez, on va voir si elle tombe, je dirais céder à la jeune fille, à la voilà, à l'apparence, non pas que la personne... qui ou elle a choisi était plus jolie que vous, c'est pas ça, hein. C'est pas une question de pomponnette, c'est une question de vibration, voilà, qui a voulu, comment dirais-je, il est en train de réaliser cette personne, c'est pour ça qu'il est dans le désespoir, votre autre, il est en train de résister, qu'il découvre les coups bas, et ça pique, 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 pique la nouille, hein. Il ou elle, ça dégomme parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans amour, qui conçoit l'amour comme une vibration, comme un partage, une fusion, etc. Et pour le coup, c'est ce qu'il a fui en fait. Et ça, il est en train de le réaliser. Alors du coup, il pense à quoi? Il pense à essayer de nouveau de venir vous courtiser parce que c'est quelqu'un qui, dans la projection, a envie de renouveau. Il souhaite retrouver peut-être la personne ou la femme qu'il a connue. Bah, disons,